Monsieur Forge, un autre de mes amis. Je n'ai que des amis dans cette basse société. Je suis comme Bismarck. Je suis heureux en autant que j'ai des ennemis. Monsieur Forgette de l'usine du général Monteux, j'ai toute une nouvelle à vous apprendre, monsieur Forgette. Monsieur Momo, qui n'est pas votre ami, n'est jamais allé dans la forêt ou la jungle du Venezuela ni du Panama. Il avait trop peur des moustiques, monsieur Momo. L'hypocrite s'est caché pendant 2 semaines, monsieur Forgette, dans les montagnes des Laurentides. Alors voilà, ça a été la surprise de l'heure hier, monsieur Forgette, lorsque nous avons appris par le biais du télécopieur et des télégraphes que monsieur Momo n'est pas allé cette année. Alors monsieur Forgette, que vous avez à dire, monsieur Pou, comment se fait-il que madame Minou, la semaine passée, qui était chez vous à votre émission, n'a pas prévu la plus grosse panne d'électricité que nous avons eue sur le Québec depuis 82? Elle qui voit tout et qui sait tout ce qui va se passer dans les mois à venir, elle n'a même pas été capable. J'espère qu'elle n'a pas d'électricité et qu'elle paye en ce moment cette chère madame Minou. Oui, il faudrait quasiment l'appeler et lui demander comment se fait qu'elle n'a pas vu ça, elle. Il faudrait savoir qui étaient les Béotiens, monsieur. C'était pas des gens si médiocres que ça, hein. Monsieur Forgette de l'usine du général Monteuse qui nous arrive. L'ami de Momo, les culottes Park Hall. Monsieur Forgette, encore une fois, vais-je vous répéter pendant 1000 ans que Momo n'est pas votre ami. Momo aime les plantes, Momo aime les petits cerises, c'est tout ce qu'il aime dans la vie. Les petits plats également. Ce n'est pas étonnant que Haïti, pays pauvre, s'informe sur le fonctionnement de nos loteries. Car ici, nos pauvres, les BS, sont de très gros consommateurs de gratteux de 6,49 qui rêvent de gagner de l'argent sans travailler. Et peut-être faire un voyage en Haïti un de ces jours. De Laval, un homme. Europe, mesdames, messieurs, en Europe. Dire à des parents broyards et souvent des Québécois qui sont en star en Europe avec leurs enfants, madame ou monsieur, votre enfant, quand il est sous le toit de l'école, n'appartient pas à votre foyer, il appartient à la société et à l'école. Et vous ne viendrez pas nous dire comment on mène à l'école. Ici, c'est le monde à l'envers. C'est les parents qui peuvent faire changer parce que ces petits bras avec ses lames de crocodile, l'horaire, faire congédier le professeur. Et après ça, souvent, je m'admène des professeurs, mais je sympathise avec eux. Ce n'est plus gouvernable. Vous n'avez plus le droit d'avoir d'autorité, vous n'avez même pas le droit de le prendre par une oreille pour y diriger la porte ou le faire sortir gaiement. Vous n'avez plus le droit de rien du tout. Mais eux, les petits morveux, peuvent, parce qu'ils sont manipulés par des gens qu'ils ont renseignés sur tout ce qu'il y a de plus contestataire, avoir tous les moyens de leur côté. Alors, on ne viendra pas m'impressionner avec cette histoire-là. Je connais Stében depuis assez longtemps pour savoir que c'est un père exemplaire. C'est pas un forniqueux, c'est pas un voyou, pis un malfrat. C'est un gars qui a été mêlé au milieu de l'enfance durant toute sa carrière. Et il en arrive ainsi au bout de quoi? 25 ans de carrière, sous prétexte que là, il a brassé un enfant plus qu'un autre. On doit le lapider et en finir avec lui? Voyons donc! Voyons donc!